bertan bizi gira gauza batzuk oroituz, beste batzuk antziz, eta hirugarrenak sortuz. Joseba Sarrion handia. En ce monde, on vit en se souvenant de certaines choses, en oubliant d'autres choses, et les troisièmes, en les créant. Et cette flûte, elle a quelque chose là-dedans à dire. Avec 25 000 ans d'âge, c'est par ce qu'on crée aujourd'hui qu'on va retrouver son histoire. Vaste programme. Chaya, Chaya, Chaya sur l'os de vautour. Ça c'est la chiloula, elle n'est pas un os, mais la plus belle mélodie que j'ai apprise, parmi les plus belles que j'ai apprises à
La Chirula, elle porte souvent le nom de rapaces comme Belacha, l'épervier, ou Aranua, le vautour, l'aigle, pardon, l'aigle. Voilà un lien entre ces deux objets qui me sont arrivés entre les mains. Un autre, c'est évidemment le souffle. Et le premier, c'est aussi les oiseaux, évidemment, parce que c'est quelque chose qui est commun à toutes les flûtes du monde, je crois. Chori et Rechignola, ça c'est le rossignol. Et un autre que j'aime particulièrement, c'est l'épervier, Belacha. Thank you.
Alors, il y a des études très particulières qui ont été faites concernant l'art pariétal et le son qu'on va retrouver dans les grottes. Ça a été fait par Yegor Reshnikov et Michel Dauvoy. Et en fait, ils se sont rendus compte que dans les grottes, il y avait des dimensions sonores qui étaient très, très particulières. Et ce qu'ils ont voulu faire, bien, c'était de voir s'il y avait des relations à faire entre l'art pariétal et le son. Ça n'a jamais été étudié. Et ça, c'est seulement en 1983 qu'ils ont commencé à faire leurs études. Ils ont pris les exemples de grottes, en fait, pyrénéennes, pour commencer, plutôt du côté ariégeois. Puis après, ils ont étendu toutes leurs recherches à tous les Pyrénées, y compris en Dordogne. Et là, ils se sont rendus compte que, en fait, ces grottes qui contiennent de l'art préhistorique ont plusieurs particularités. Pour certaines d'entre elles, les grottes n'ont pas changé de forme. Il y a eu très très peu d'aménagement dans certaines cavités. Et donc, on a pu penser qu'à partir du moment où la grotte n'avait pas bougé depuis les temps préhistoriques, 13 000, 14 000 ans, eh bien, en fait, le son devait être à peu près identique. Alors, quand ils ont remarqué ça, ils ont remarqué que, justement, ces grottes avaient des dimensions sonores très, très particulières et que, en fonction des endroits où on était, les sons pouvaient résonner de différentes façons. Et ils ont recherché, comme ça, toutes ces résonances dans les grottes. Ils ont fait, donc, des cartes spécifiques à la résonance des grottes. Ils ont remarqué qu'en certains endroits, ben, ça résonnait encore mieux que d'autres. Et, bizarrement, dans ces endroits qui résonnent extraordinairement, on va retrouver, très, très généralement, ou en tout cas très souvent, des œuvres d'art. Alors, des œuvres d'art pariétales particulières, ça peut être que des signes, essentiellement des ponctuations, des lignes horizontales, verticales, ou ce genre de choses. Et à ça, on peut aussi avoir des chevaux, des bisons. Je dis chevaux-bisons, parce que généralement, on va retrouver essentiellement ces animaux-là dans les grottes pyrénéennes. Et en l'occurrence, on va retrouver des taches comme celle-ci. Et là, ça peut correspondre encore à des maximums de résonance qui vont être faites dans les grottes. Donc on va avoir comme ça des liens, et ces liens seraient à 80% faits entre l'art et le son. Donc voilà les grandes particularités qui ont été données à partir des années 80. Suite à ça, les études ont été un petit peu plus poussées, et ils auraient remarqué que dans ces maximums de résonance, il y aurait des notes qui résonneraient encore mieux que d'autres, et que ces notes seraient peut-être liées à certains animaux existants sur les parois, et peut-être ainsi, le fait de retrouver certains animaux sur les parois constituerait une mélodie qui aurait été jouée par les hommes. Donc voilà les particularités qu'on arriverait à lire et les liens qu'on arriverait à faire entre l'art et le son. On va dire un mot après des lithophones. Quant aux lithophones.